Bonjour à tous les amis, c'est la Team Lucien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un podcast. Comment tu l'as su? Ouais, trop fort en fait. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur ce petit livre de merde, voilà, que j'ai entre les mains, voilà. Tu vas deviner le bruit. C'est des blagues de Toto, voilà, si vous voyez bien. Voilà, c'est... Voilà. On est chez Hugo. Voilà. Bonjour. Voilà, on va se cacher. Bref, je vais commencer à lire quelques blagues et... Ben voilà. Allez hop, c'est parti. Alors, première blague. Toto revient de l'école. Sa maman lui demande: qu'avez-vous fait de beau aujourd'hui? C'est Gogo ou Toto? Ah, Gogo a fait un dessin. C'est bien ça. Flagada a fait des fleurs en papier. Et toi, Toto? Moi, j'ai vomi. Le sort. Non, non, en fait, je déconne. Hein, Non, c'est un fils de la mère, c'est un mère. Alors. Docteur, je n'en peux plus. Toto fait trop de bêtises. Que faire pour le calmer? Achetez-lui un vélo. Il fera moins de, bêtises. Non, il ira aller faire plus loin. Ok, la merde. C'était nul. Là. C'était nul. Bref, oh, de la merde. Papa, est-ce que les fraises ont des pattes? Bien sûr que non, Toto. Alors, tu viens de manger un insecte. Deux secondes. Merci. Toto va à l'école avec son vélo. La maîtresse lui demande: quelle est la femelle du taureau? Pendant ce temps-là, quelqu'un vole le vélo de Toto. Son copain lui dit: on t'a volé ton vélo, Toto. Oh la vache, dit Toto. Bravo, Toto, dit la maîtresse. Toto, quelle est la femelle du hibou? Au ce moment-là, son copain lui dit: t'as rendu ton vélo, Toto. Oh chouette, va sur toi, Toto, dit la maîtresse. Merde, hein, c'est de la merde. Attends, une courte. Une courte? Ok. Alors, à 12 ans, Toto vient de faire son premier tour en voiture tout seul. Il revient sans la voiture. Qu'est-ce qui se passe, Toto? Je crois que dans la voiture... Je crois que la voiture a de l'eau dans le carburant, papa. Mais quel fils j'ai? Il a 12 ans, il sait conduire une voiture. Et quand elle tombe en panne, il sait dire ce qui s'est passé. Tu seras un grand mécano comme papa, mon fils. Et où as-tu laissé la voiture? Dans le lac, papa. Ok. J'en ai marre, j'ai envie d'arrêter tout de suite. Un petit mot, voilà, pour la vidéo. C'est de la merde, en fait. Hein. De la merde. Alors, ça c'est trop long... Est-ce que tu sais pourquoi un marin ne peut plus écrire quand il est rentré au port? Demande Toto à son copain. Non, parce qu'il a jeté l'encre. Alors, après une leçon de géographie sur les desserts, le professeur demande: où poussent les dates, Toto? Sur le calendrier. Date, putain. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Est-ce que vous punissez ceux qui n'ont rien fait? Non, bien sûr. Ouf, j'ai pas fait mes devoirs. Mais quoi, bizarre? La maîtresse dit à Toto: Toto, ton contrôle d'histoire est dégoûtant. Mais madame, je n'écris avec que des noms propres. Bon, en conclure de ce petit livre, voilà, ne l'achetez pas, voilà, en gros. Je vous dis à plus pour d'autres podcasts de la Team Lucien. Allez, salut.